Alors, Céline Gastinel-Monceau, vous êtes vétérinaire depuis combien de temps? Je suis vétérinaire depuis 1993, installée depuis 1994 et je soigne des chiens et des chats. Alors, vous sortez un livre sur les empreintes. Quand est-ce qu'il sort ce livre? Ce livre va sortir dans les tout premiers jours d'octobre et c'est un livre auquel je tiens beaucoup parce que c'est un livre plein de petites idées pour garder des souvenirs merveilleux de nos animaux. Où est-ce qu'on va pouvoir se procurer ce livre du coup? Bien entendu chez votre libraire préféré. Si vous avez envie de regarder via Internet, je ne pourrai pas vous en empêcher, vous pouvez aller voir sur le site du Pré du Plein, PLAIN. Et sinon, vous pouvez aussi regarder régulièrement sur mon site officiel, mon site Internet, en tapant Céline Gastinel-Moussour, vous y accédez. Et là, vous allez voir les liens qui vont vous permettre d'y accéder aisément. N'hésitez pas à regarder, il sera bientôt là. Alors, pourquoi un livre sur les empreintes? Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire un livre sur ce thème? L'idée ne vient pas forcément de moi, puisque c'est quelque chose qu'on fait classiquement avec les bébés, mais j'avais très envie de le transposer aux animaux, et puis au lieu d'avoir un seul support, qui est un support un peu dans lequel on fait une empreinte en creux, j'ai eu envie de le faire avec des couleurs, avec des ocres en particulier, des ocres qui viennent de Provence, et puis parce que j'ai envie de garder plein de souvenirs merveilleux et qui sont indélébiles. Alors, ce livre est à la fois en français et en anglais. Pourquoi ce choix de double langue? Parce que j'ai beaucoup de personnes qui m'ont dit « Mais moi, j'ai de la famille qui ne parle qu'anglais ou qui n'utilise qu'une autre langue et pas forcément le français. » Alors, je me suis dit « Pourquoi pas faire en une fois une espèce de petit guide sympa, accessible par tous ceux qui ont envie d'y accéder. » Voilà. Donc, du coup, les gens qui sont dans des pays étrangers qui sont anglophones pourront commander ce livre quand même? Absolument, c'était le but.